Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la partie c'est pas coucou tout le monde. C'est les modules. Ça dit quoi l'équipe? C'est son intro pour le vlog. Je chuchote parce que je veux pas qu'ils nous entendent les petits gugus. Je viens de finir de préparer le Secret Santa de la G-Corp 2023. Je vais aller leur annoncer là. Vous voyez ça le 23 décembre. Normalement là nous on est le 22 novembre pour vous dire. Et vu qu'il nous faut du temps pour préparer les cadeaux, on vous met ça voilà un peu en décalé. Du coup là on va aller tirer au sort qui va avoir qui pour le Secret Santa. Je vais aller annoncer ça à tout le monde. Réunion. Oh pétard. Réunion tout le monde. Ouais. C'est qui tire la plus vieille? C'est pas moi. La mamie. Messieurs dames de la G-Corp, nous allons organiser un Secret Santa. Oh non. Ah, waouh, la surprise de fou. Attendez, il nous manque Camille. Camille fera partie du Secret Santa, simplement elle est malade. Il nous manque également Pierre-Louis, qui aujourd'hui est à un autre bureau. Mais donc voilà, vous inquiétez pas, on les oublie pas. Et Aimé aussi. Et Aimé aussi, qui bah, lui est en distanciel, mais sera là pour la semaine de Noël, tout ça, machin, donc on le compte. C'est parti, on commence. Ouais. Allez, pétard. On fait dans l'ordre de l'âge, c'est Evan qui tire en premier. Après c'est moi. Mais tout le monde a pioché son papier. Oui. J'ai mis de côté pour les trois gugus. Regardez tous votre truc. Je vais installer le confessionnal, mais il y aura aussi un petit faux raccord. Il y aura aussi Camille et tout le monde qui fera et dans le confessionnal. Dans le confessionnal, il y a Fess. Andreas, t'es viré à la rentrée. Ok, j'ai tiré Alex. C'est le mec qui parle fort. J'ai tiré Elise. Je sais pas trop quoi prendre. Je pense que je vais prendre un truc par rapport au foot. Ou soit, j'ai une inspi qui fait que je peux lui prendre un truc troll. Et voilà. Ouais. Bon la team, moi les gars j'ai pioché Andreas, donc je pense que je vais partir sur du shampoing. Non en vrai je pense premier degré faire une petite vanne sur ses cheveux, je sais pas quoi encore. Et j'ai aussi pioché pour Aimé, alors j'ai pas regardé, je sais, j'ai juste ce papier, je vais vous le montrer, je vais fermer les yeux. Parce que Aimé il est pas là, il pourra pas faire le confessionnal. Aimé lui il va devoir offrir un cadeau à cette personne. Et moi je dois faire un petit cadeau à Andreas, mon chouchou que j'aime, je t'aime fort, gros bisous. Bon la team, moi j'ai tiré Shaina, comme c'est une personne âgée, je pense que je vais lui acheter un truc genre crème anti-rides, etc. Parce qu'en vrai quand on approche de la quarantaine, c'est pas facile, moi j'approche de la trentaine et j'ai des petits signaux. Ou peut-être un livret pour la retraite, je sais pas encore. Bisous la team. Alors, j'ai eu Yann, je sais pas, j'ai pas trop d'inspiration, parce que l'année dernière il avait déjà fait des trucs par rapport à sa trottinette et tout. Et je me dis que ça pourrait être sympa de changer un peu, soit aller dans ses loisirs. Bon on va réfléchir, on va expliquer un petit peu cette semaine. Voilà. Ok, alors du coup j'ai tiré Cam Cam pour le cadeau, je pense. Je vais partir sur un truc mignon et sympathique par rapport au baby. Je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'idées qui me viennent en tête que je vais pouvoir prendre. Voilà, et j'espère que ça lui plaira. Comme les youtubeuses beauté. Voilà. Mais c'est à l'envers, frère. Bon, juste Stéphane, en gros. L'année dernière, c'était lui qui m'avait offert mon Secret Santa avec un t-shirt, la Minute Yann, qui est très rigolo. Mais lui, il a pas de Minute Steph, du coup, je fais comment? Je sais pas comment je vais faire. Parce que après le cadeau l'évident, c'est les clichés racistes quoi. Si je me ramène avec une truelle, bon, c'est rigolo deux secondes, mais bon. Peut-être du béton, un mur, parce que je lui ramène du ciment. Je peux faire un package, hein. Donc voilà, ça on oublie. C'est de faire un truc sympa en vrai. Un truc de vacances. Lui qui veut tout le temps partir en vacances. Mais dans une destination pétée, genre un week-end pour deux à Quimper. Ça peut être un truc comme ça. Hola, hola, hola. Je suis venue m'installer, mais je sais pas trop ce que je dois dire. J'ai jamais fait de confessionnal. J'ai eu... Imaginez, vous entendez pas, je viens de chuchoter, vous entendez pas. J'ai eu Evan. Et en fait, je sais pas quoi lui acheter. Il aime bien Valo, c'est le seul truc que je sais. Et Minecraft. Donc en vrai, je peux trouver des trucs de déco Minecraft ou Valo. Peut-être qu'il va aimer. Donc je pense que je vais faire ça. Salut la team. Putain, je sais pas qui c'est qui va tirer mon papier. J'ai hâte de voir. Là, j'ai tiré Alex. J'ai pas trop eu le temps de réfléchir depuis que j'ai tiré le papier. Mais là pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Mais après Alex c'est facile, il y a plein de trucs. Après on est limité dans le prix. Mais sinon j'aurais pu partir sur une paire de chaussures un peu folklore à l'image des clowns 3000 et tout là. Mais je pense que ça va être un peu ma DA sur son cadeau, ça va être un délire comme ça je pense. J'ai mon petit papier, Secret Santa. C'est le moment de découvrir qui j'ai pioché. Ok. J'ai pioché Léa. Elle est très manuelle, donc en vrai je peux peut-être aller dans ce côté-là d'activité manuelle. Oh je sais, ma mère elle fait de la poterie et fait super bien, en plus elle fait des super jolis trucs. Je pourrais lui offrir, si j'achète une création à ma mère, je pourrais lui offrir. C'est pas mal. Je pense que je vais partir là-dessus. Allez, toujours la team. Ouais la team. Oh ça a résonné dans ma bouche. Dans ton cerveau vide là, ça résonne. Ça va ou quoi la team? Ça va et toi? Allez. Ça va au calme. On a eu des petits cadeaux d'une vieweuse. Cadeau check. On a reçu des boules. Comment ça s'appelle déjà? Stupi. C'est pour sapin de Noël ça?
Non, c'est pour les vitres, tu les accroches sur les côtés. Vitres. Ouais, c'est pour les vitres. C'est des boules, on a reçu des boules. Okay. Tu as la ref? Ah, c'est tic et tac. Il y a une tic et tac. Et moi j'ai tic du coup. Ah, je savais pas que ça venait de là. Il est où le mien? C'est tic, sur ton bureau. J'ai reçu ça, c'est Heisenberg. I am the danger. I'm not in danger, Skyler. I am the danger. I'm the man who knocks. J'ai reçu ma gueule. Oh là là. Version Ibizama. Mon petit skin Minecraft. Ah ouais, vraiment, il est incroyable. Bien trouvé, bien trouvé. La petite photo dans mon skin comme ça. Moi j'ai reçu mon petit logo avec ma sœur de ma boîte Sestra. Je l'aime trop. C'est le logo Valo. Ah oui. J'ai eu tic. Hop, le ballon de basket. Ah, le ballon de basket pour Ellie. Petite boule, merci, je remonte. C'est trop bien. Ouais. On va les rajouter à l'arbre de Noël. Non, Alex, il va la détruire. Ah oui, putain. Pas confiance. On a dit que c'était pas pour le sapin, on a dit. Non, c'est pas pour le sapin, t'inquiète. Ah non, mais tu dégommes pas le sapin si on met ça. C'est le dernier vlog. C'est le dernier vlog avant. On arrête tout. Avant le dernier vlog, Ellie. Bon, bah, salut les gars. Dernier vlog de l'année. Léa, elle nous disait quelque chose par rapport aux boules. Qu'elle en avait déjà fait l'année dernière. Et en fait, regarde, t'en as qui sont ici là. Voilà, c'est la même personne qui avait fait du coup ces boulas. Et du coup, il y en a moins parce que bah, Alex a fait quelques dégâts dans notre sapin. Donc jamais la mienne dans le sapin. Et voilà, on les rajoute à l'arbolesse. Oui, merci beaucoup, c'est trop bien. Arbol de Navidad. Vous voyez quoi cette semaine là? Là, big semaine, André. Bah ouais, big semaine parce qu'il faut bien profiter du dernier vlog. Hein. Faut gars, marquer le a, coup. Vous a réservé un big vlog pour le dernier vlog. Là, ce soir, on a Master Quiz. Demain, on a un tournage. Pour l'instant, c'est secret, on peut pas vous dire. Fin de semaine, les gars, on va aller faire de la patinoire et on va manger. On va faire un repas G-Corp. Et il y a Secret Santa aussi. Je sais pas, vous avez tous votre Secret Santa? Oui, et toi? Toi, tu l'as? Moi, je reçois vendredi. C'est quoi votre théorie? Moi je pense que Elise elle m'a. Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, elle me voit des regards depuis tout à l'heure en mode j'ose pas trop dire. Tu regardais même pas. Moi je pense que j'ai la même personne que j'ai m'a. Ah. Ce qui était marrant, c'était quand même Andreas qui a spoil le corps en bas. Il a fait oh les gars, j'ai reçu mon cadeau pour. Merde, faut pas que je le dise. J'ai spoil 5 personnes d'un coup. T'es vraiment un golou. Et pendant ce temps, il y a Steph et Camille qui sont au Master Quiz, ils sont en train de tout setup. Tu nous fais une transition? On fait les petits cons là. Tu nous fais une transition? Transition. Bah, je pars maintenant en fait. On y va. Je vais au Master Quiz retrouver les loulous. 20 minutes later. Aïe aïe aïe. Oh, il vient de finir la séquence, il se passe une dingue. Il se passait quoi, Elise? Bah, Coco, il vient d'arriver. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, bon, j'ai rien à faire chez moi. Tout penaud, il est un peu malade. Oui, donc il vient pour préparer la soirée du lundi, quoi. Voilà, il vient en avance. C'est ça, il vient en avance, il se dit, bon, bah, au moins j'y suis, quoi. Je lui annonce que c'est pas ici, que c'est chez Dwag. Il savait pas, il est deg. On dirait Liam quand il a pas trop un biscuit. Tu peux jouer au billard avec Andreas si tu veux. Pourquoi Andreas? C'est parce qu'il est chauve? Si je dis gagne, il va dire oh, ben, j'avoue, c'est bien. Ouais, c'est marrant. Tu vas aller là-bas? Mais il fait froid, tu vas t'ennuyer et tout. Je suis pas chaud. Et voilà, comme vous voyez, les gars, Gotaga il est là au moins 5 heures avant pour préparer l'émission, c'est important. Pourquoi vous rigolez? Ouais. Tu caches des trucs? Non, ça va. Coucou ma petite douceur au miel. Douceur au miel, comme t'as mal à la gorge, tu sais que le lait avec le miel, ça fait du bien. Ça va quoi, Coco? La forme? Il se fait spoiler là, non? Non, j'ai fait exprès de normalement tout faire assez vite pour pas qu'il se fasse spoiler. S'il regarde pas dans les cartons, il se fera pas spoiler. Coucou bon, Alex! Ça va? Ça te plaît, les lumières pour. Tu voulais mettre des lumières, non? Ce soir, dans la soirée, tu fais une dingue, je serai pas loin. Fais un truc, voilà. Un truc. Les mecs sont direct là-bas. Parce que si on met le stinger une deuxième fois, ils commencent à y aller, on sera sorti du stinger, je serai pas où revenir. Est-ce que je retourne là-bas? La dernière répète, Boris, calme sur qui en live fraud, parce que c'est très compliqué, Master Quiz. Moi, j'occupe de la réa principale, changement de caméra, affichage de différents assets. Et là, il s'occupe de la réa de tous les jeux. Il envoie les vidéos, les réponses, les questions, et du coup, c'est moi qui les reçois et qui les affiche quand il veut. On a l'ingé son, assistant ingé son, il s'appelle Pierre. Et là, on a Camille qui sera entre les deux et qui parlera à Yannou à l'oreillette. Comme elle connaît le runner par cœur, c'est elle qui dira du coup il faut qu'on affiche ça, il faut qu'on affiche pas ça, il faut qu'on fasse ça. Yann vous présente le jeu rapidement du Master Balance. Ouais. Je dis donc je vais vous laisser y aller, vous aurez petite feuille, petit stylo là-bas. Bon la team, ça y est, regardez-moi cette beauté. C'est trop stylé hein, le plateau est incroyable. Incroyable, les petites boîtes pour surélever le buzzer. Chacun a son petit pipitre. Et là du coup on a la deuxième partie du plateau où on va mettre le Master Balance ensuite. Et là regarde-moi cette beauté. Ça je l'ai vu tout à l'heure mais c'est super voilà. Bien. Un petit extrait tout de suite du bordel que c'est pendant Master Balance. Ouais, c'était le bordel de fou. C'est le bordel de fou, mon pote. Donc Yann, là, t'as pas un truc à nous dire un petit peu, là? Tu veux dire le truc de Yann? Ben ouais. Tu peux envoyer le jingle. C'est parti. Et c'est le truc de Yann.
J'avais une petite question pour toi, le blob. Ça, c'est quand même assez connu, mais c'est toujours sympa de pouvoir le replacer. Est-ce que tu sais pourquoi on trinque? D'où c'est venu? Non, mais ça m'intéresse. Eh bien, écoute, ça vient, et là, je vais te regarder toi, Alex. Oui. Ça vient du Moyen-Âge. Parce que à l'époque, lorsqu'il y avait des banquets, etc., avec les seigneurs, etc., etc., il y avait des seigneurs qui s'entendaient pas très bien. Et qui voulaient sûrement la mort de l'autre. Et la première cause de mortalité, on va dire non accidentelle, c'était pas forcément les épées, etc. C'était le poison. Et quand tu avais des banquets comme ça, avec des seigneurs qui s'aimaient pas trop, eh ben, tiens, je te donne ça. Pour montrer que la boisson n'était pas empoisonnée, on se tapait les verres pour qu'ils se mélangent, pour montrer qu'il n'y avait pas de traces de poison et qu'on pouvait boire comme on le voulait. Et tu sais qu'il y a toujours, une fille qui se fait « Attention, dans les yeux !» Tu sais pourquoi? Ben moi, je suis comme ça, moi, c'est toujours dans les yeux. Dans les yeux, et ben justement, pourquoi dans les yeux? Parce que ça prouvait, si tu trinquais comme ça, que tu ne regardais pas s'il y avait éventuellement du liquide qui était passé. Donc c'était toute confiance, t'inquiète, pas de poison. Dans les yeux, quoi. Voilà. Incroyable. C'était le petit truc de Yann. C'est le truc de Yann. Mais coucou, c'est fou ça d'être là. Oh là là, mais tu sais qu'on l'a aimé. Purée, on l'a Assassin's Creed. Tu sais comment je l'ai repéré? À son parfum. Je dis mais c'est le parfum de coucou. Assassin's Creed. Purée. Oh, il s'est glissé pour avoir les réponses quoi. J'ai développé l'aptitude de rester si incroyablement immobile que j'en deviens pratiquement invisible. Incroyable. Mais va ailleurs s'il te plaît. Non, tu m'as dit d'être dans l'ange. Oui, ok, c'est moi qui ai mon pète en ambiance. C'est quoi que tu viens d'offrir à Dol là? C'est deux t-shirts Gentlemates. Ah ouais, madame quoi. Ah ouais, Corentin, ça offre les pièces en avance. Je disais même pas. Ah bon? C'est la première fois que j'ai un produit Gentlemates avant lui, forcément. Je l'ai pas vu, je suis réveillé de la journée, frère. Je rejoins officiellement la structure. La structure. Ça commence comme ça avec un petit t-shirt. J'ai pas vu la qualité. Mec, get le. Même la broderie, elle est incroyable, mec. Et pour m'y connaître, parce que mes parents sont dans le textile, okay. Là, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup. Et donc, en fait, plus tu passes, forcément, plus ça va coûter parce que tu utilises du tissu, etc. T'as vu ou pas? Genre, quand t'ouvres sur mobile, t'ouvres Twitch, t'as une bannière en haut là. Boum. C'est Master Quiz en partenariat avec Amazon. Et quand tu cliques dessus, t'arrives chez Godard. Ça, ça pèse, en vrai, c'est stylé. Allez, tout le monde en plateau pour faire les petits réglages lumière. Tu vas apporter une cinquième victoire à notre coco national. T'as jamais perdu un. Jamais perdu. Les gagnants, ils sont là. On va se faire humilier, mesdames et messieurs. On va se faire humilier. C'est un ouf, mais on gagne. J'ai mis 200 euros sur vous. On est mort. McFly est arrivé. Ce soir, c'est Master Quiz. On est avec Corps Solide. Et le quiz. On va gagner le quiz. On va gagner le quiz, la team. Quiz. Squeeze. Squeeze. C'est la pire soirée que je fais de ma vie, je pense. Vous êtes mes favoris, les gars, en tout cas. Ouais, sérieux? Bah, donne-nous les réponses alors. J'ai mis 200 balles sur vous. Frérot, t'as vient de dire ça à l'équipe à côté? J'ai pas les rushs, ça marche pas les rushs. Alors, le Master Quiz, je vous explique vite fait le déroulé pour que vous sachiez à quoi vous attendre sur les jeux, ok? Ça va commencer avec un Master Mini Quiz. Réponse rapidité au buzzer. D'ailleurs, on va allumer les buzzers. Ensuite, on a le Master Mime, où il y en aura une personne de chaque duo qui ira mimer. Ça a changé, là, j'ai corps. Ça a changé. Non, on va pas attendre. Il y a un. Je présente mes espaces pour être jugé dans la langue française. Ça va? Oh putain, ça va? Pardon. Quand il y a trop de bruit en plateau, en voix générale, il y a un son qui va sortir en régie. Là, je l'ai pas parce que le live a été lancé, mais ça fait une trompette genre. Belle imitation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Effectivement, bienvenue sur la Greta TV, surtout bienvenue sur ce Master Quiz. J'espère que là, je suis tranquille pendant l'intro, mais après, j'ai plus le temps de me retourner parler à la cam. Troisième mime, c'est parti, les gars, vous pouvez. Et puis, montre les petits mimes à faire. Oh là là! Oh là là! Dijon ou pas? Regarde bien Dijon. Est-ce que vous êtes prêts à mimer, sachant que c'est Dijon là. Oh, mais tu es, ça flop, ça flop. Mon corps est disgracieux, le sport n'a servi à rien, let's go tout le monde. Oh, tu fais pas couper ça. Oh oui. Juste la tête de Corentin. Sachant que c'est après que tu leur as annoncé qu'il n'y avait pas de film de merde, c'est ça. Moi ça va, hein. Je suis pas gêné, moi ça va. Je me suis enfui de table, je supporte pas. C'est la fin de ce Master Quiz et félicitations à McFly et Carlito qui remportent ce Master Quiz. Le trophée, bah Elise, tu nous envoies le trophée. Oui, on le récupère. Elise, c'est la famille, on la connaît depuis longtemps, donc hâte du trophée. Oui. Très heureux de voir Magla, Locke, Maxime, Gota, Yannou, ça fait plaisir. Et mon frère. Et on est là, donc toujours pour jouer. Des bisous les gens, tchuss. Oh, merci. Yahoo! Bravo!
Bravo tout le monde. Bravo. Écoute, on a passé un bon moment. Moi, je suis désolé. Magla. Non, mec, je te l'avais dit de base. J'ai l'impression que tu as pu être un petit peu plus utile, mais. Et que t'as passé un bon moment. Ouais. Pleure pas, c'est pas grave. Si, je vais pleurer. Non, arrête. C'est Gotaga qui lui a fait ça. Qu'elle fait aux gens. Ça mérite un t-shirt. G-Corp. Oh. Ah oui, je peux avoir du merch G-Corp. Qui est d'ailleurs disponible sur le site avec des promotions de Noël, elle me dit. Est-ce que je peux avoir un t-shirt G-Corp? Oh, le pull de Noël G-Corp. Est-ce que je peux avoir une casquette aussi? Ça va, c'est bon là. C'est dépouillé. Ça va, faut t'aider. Là, tu veux voir notre studio après. Ouais, grave. Et non, merci tout le monde. Merci beaucoup, bravo. Max, tu vois notre studio. Est-ce que tu peux avoir une casquette automne, s'il te plaît? Je demande tout de suite à Shayla qu'on te l'envoie. Signé par le maître. Hé hey, au-dessus. Oh, quel honneur. Regarde, oh là. Ça, c'est authentique, hein. Ça, c'est VIP. C'est la vraie signature, en plus. Ça, c'est VIP. Oh, la lumière. Ah, fiston. Toi, tu sais pas, t'as pas le permis, c'est relou, ça. Bon, les gars, fin Yo de soirée. Yo, la team. Arrête de dire fin de soirée, on part en boîte sur Paris, frère. C'est pas une vanne, les gars. Par contre, c'était trop cool, ce soir. Ouais. Franchement, c'était incroyable. Joli déco. C'était pas chez nous, on a essayé d'exporter un peu ça, faire un truc un peu plus grand. On espère que vous avez kiffé, nous on a kiffé le rendu. GG à toute l'équipe encore une fois, ils ont bien charbonné. Demain rendez-vous à 8h pour le tournage. On peut pas trop vous en dire plus, malheureusement vous verrez pas dans ce vlog ce qu'il en est. Ça arrivera peut-être l'année prochaine, on sait pas, voilà. Mais en tout cas nous de là demain ça va piquer. Mais voilà, c'était cool. Puis c'est le dernier vlog, hein, on n'oublie pas, donc on est vachement tristes tous. Oh non frère, tu m'as... Wow. Ça va, vous arrivez à vous en remettre? Ça peut pas être le dernier, je trouve qu'on a pas assez... Après c'était ce qu'on s'était dit, fallait pas dramatiser le truc mais... Bah ouais, mais c'est le dernier vlog gros. J'ai la ref. Bisous la team, à demain, Inch'Allah. Yo 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 la team, dernière semaine de charbon avant les vacances de Noël. Et on a notre DA qui est en train de DA de la DA là. Attention, qu'est-ce qui se passe? On fait la mini best-of et du coup on a besoin du corps de Gotha. Donc c'est Aimé qui va le faire, ouais. En fait, qu'est-ce que tu essaies de recréer, Yann? Une contre-plongée finalement, en gros dans le best-of. Une contre-plongée c'est ça. Et une plongée c'est je plonge et ça répond. Parce qu'il y a une scène dans le best-of où il y a une scène qui est horrible et on va la recréer du point de vue de la victime. Et du coup, ce qu'il nous faut, c'est une contre-plongée de malade, de Gotha qui trucide quelqu'un. D'accord, bonne ambiance. Et là, on a nos spectateurs. Coucou. Mec. Et oui, un challenge cette semaine, ouais. Avec sa boule de poil. Je suis en nuit blanche, je suis fatiguée. Cha. Je fais la sieste. Et ça, c'est qui ça? C'est un nouvel acteur dans c'est les vlogs. Aiko Chan. C'est Aiko. Alors, c'est quoi le rendu? Un truc un peu comme ça. Il en a un long chelong, lui. Toi, tu lui as donné l'idée et ça va être aimé à l'exécution, c'est ça? Ok, bon, voilà. Ça, c'est des vrais couteaux. J'ai rêvé. Je mets les couteaux plus en évidence vers le haut, peut-être. Voilà, comme ça c'est bien. Tourne-le un peu celui à ta gauche, que la lumière peut faire dessus. Yann, on dirait un réalisateur de films de Hulk. Ah, voilà, elle est bien la pose là-haut. Ben voilà. Montre-moi tout ce que t'as. Allez, gicle-lui dessus. Sinon, ça va, vous? Ouais, c'est du gros, ouais. Que ça soit le même. Ah oui, bah oui, pardon. Tu veux que je t'aide, mec? J'ai fait une pute. Moi je pense que c'est bien. Ça prend des tours, mais la tête de Gotha et c'est plié. Stylé. Faut peut-être la mini à son ballon. Non, je la fais en fait. Bouge pas, allez, la mini du coup ressemble à ça. Waouh. Elle est super. Allez. Wow, la team, qu'est-ce qui se passe? Déjà, 21h40. Et actuellement, c'est 8h de sommeil sur 3 jours. On ouvre les pulls de Noël. Voilà. Parce que c'est Noël. C'est pour la team. Toi, t'as demandé quelle taille? Moi j'avais demandé L, je crois. 1, 2, 5, 6, j'en ai que 6. Tu m'en as demandé. J'avais demandé un L et du coup elle m'a dit bah prends celui-là et au final bah c'est trop grand et du coup bah j'en ai pas. Bah peut-être que tu vas échanger avec Yann. Yann il peut prendre du L. Attends, je vais essayer le M. C'est bien, parfait, t'aimes pas voir ça. J'essaye un M. On est sur une deuxième imitation de Steph. Oh Camille, on aurait eu. Mais voilà, du coup tu vas distribuer ça à toute l'équipe. Comme ça on les aura pour la petite journée de vendredi. Le repas de Noël. Je suis trop innocent de vous. Ça c'est Brooks. Voilà, c'est on annonce le joueur, nouveau joueur M8. Aiko. Joueur à quel jeu? Aiko, tiens. Dis pas LOL parce que ça pue la merde LOL, mais vas-y, un autre non, jeu. Bah si, je veux jouer de LOL. Ça clique ici. Ça clique fort. Oh, t'es trop. Attends, vas-y, dis un truc. Steph. Pas mal le chien. Donc demain, tu nous le distribues, c'est ça? Exactement. See you tomorrow. Coucou. Coucou, Pierre-Louis. Coucou, les gens. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de finir mon secret de Santa. Pour que ça soit un peu plus mignon, on va faire un petit patch à la cire comme ça pour ouvrir le coffre, comme si t'avais un coffre fort avec un petit trésor sympa. Voilà, ça, c'est une partie de mon cadeau. Et voilà. Donc, on va faire un truc tout mignon. On a choisi nos petites couleurs. Avec ça, là. Et après, tu patches.
premier lien et après le deuxième, comme ça après tu tires avec ta corde et t'ouvres ton coffre fort. D'accord, voilà. Ça va être joli du coup. Photo du résultat. On est de retour, qu'est-ce que vous avez pour nous? Du coup, c'est la distribution des pulls de Noël pour la G-Corp. Il y en a qui l'ont déjà, notamment les personnes qui ont fait le shooting. Ici présent et ici présente. Donc allez voir leurs petites photos sur le shop, ils sont trop mignons. Oh, du coup, j'ai du M, c'est pour Élise. Ah, t'as eu ton M finalement, c'est bon. Il y en a un qui va se faire ken, mais peut-être c'est Yann, vu s'il écoute pas, je sais pas. C'est pour moi ça? Let's go, je suis trop content. Steph, il a du L, mais il est pas là. Jamais là quand il faut, lui par contre. Ouais, ouais, il fait genre il bosse. Il y a du ensuite. M, donc c'est soit pour Yann ou Pierre-Louis. Au final, le L, il est immense pour moi. Du coup, j'ai Cardjack un M. Yann, je pense qu'il y a un monde. Attends, vas-y, si, c'est là maintenant. Et c'est là ici, et c'est là ici. Et c'est là ici. Tu te rappelles ce matin, quand t'as dit. Non, ce matin, le début de ce. Donc là, tu vois, j'ai plus beaucoup de t-shirts. Bah il est immense hein. Mon petit Steph, t'es prêt? Ouais, allez vas-y Lélé. Comme vous savez, ce soir c'est soirée PKS, donc on vous montre ça maintenant. Et regardez qui voilà, j'y manque que le doigt, alors il manque le fast aussi. Vous étiez ensemble ou quoi dans la voiture? Pas mal quoi. Une petite alliance. Nous aussi on a fait une alliance. Vous avez fait une alliance? Mais vous êtes frères, c'est normal. D'ailleurs votre top 3 pour ce soir là, maintenant tout de suite, tous les 3 comme ça. Moi je fais 6. Comme ça le reste je sais pas. T'es sûr? 6ème moi. Alors que t'es le favori. Alors que t'as plus d'heures de jeu que nous tous réunis. C'est vrai. Mais bon c'est le jeu, on sait jamais. Il est fort, il gagne déjà le match de la pression. Ronan ton top 3. Moi je te vois bien gagner ce soir. Elle est belle la coupe en plus. C'est pas Doug, il a step up. Je mets Doug top 3. Je mets Coco dans le top 3 aussi. Ouais. Et je mets soit Sacha, soit Zari. Ok, Coco ton top 3. J'ai pas perdu depuis La Rochelle moi. Cette semaine est-ce que t'es pas sur la fin des victoires? T'as perdu Master Quiz, peut-être ça va s'enchaîner. Je veux pas faire le mec qui casse le mood mais. J'ai perdu Mario Party. Ah t'es sur une loose streak là j'ai l'impression. Oh, tu c'est une mauvaise semaine. Ouais, très mauvaise. Oh putain, j'allais mettre premier en confiance et tout. C'est mort. Du coup ton top 3? Ouais, du coup ça change tout, je pense que je bottom direct. Mais sur une dinguerie encore. Ah ouais? C'est un doigt comme ça qui va me sortir en faisant n'importe quoi. Après, en vrai, il va arriver bien mental. Deux rois, deux as, comme la dernière fois, l'autre fois j'étais énorme. Rimka, deux dames, as-roi, je crois. Après il joue, attends, par rapport à Doig, il joue quand même. Non, Rimka non. Oh, Rimka il envoie 400 fois Doig. À la fin du tournoi et on se parle et tout. J'ai l'impression que c'était devenu mon meilleur pote. Trop gentil. Il est trop gentil. Trop gentil, trop adorable. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soirée poker. Je suis très bien accompagné ce soir les gars, ça va être vraiment la soirée. Vous allez avoir le plus de level, comme vous avez pu voir, il n'y a pas de wag. Donc ça renforce encore plus ce que je viens de vous dire juste avant. 2 hours later. C'est une grande première. Il est quelle heure? Attendez, je peux jouer ou pas? 22h12. Tu peux jouer ou pas? Non, tu peux pas, c'est trop tard. Dwagby a 2h de retard. Mais c'est pas de sa faute, Astor. Qui vois-je? L'arrivée plus que t'arrives. Viens à moi avec des petits sandwichs, des petits trucs. C'est ce que je me suis dit, mais à propos. Retourne dire. C'est vrai? Quelque chose à boire, à manger? Oh, c'est et perdu. Ça rend Auteur 6. Bravo, je sais, Auteur 6, il remporte la soirée. On vous fait plein de bisous et on vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle soirée comme ça, simplement. Salut. Ciao. Je pense qu'on se fait une photo sans Doig pour le fun, comme ça on mettra dans le post début de soirée, fin de soirée, et une autre avec Doig après. C'est juste en fait, on aurait juste, bon, je pense, dû te remplacer par Steph. On aurait mis Steph en fait. Ce Steph il s'est joué, c'était l'ambiance tryhard en mode, tu vois, il fitait parfaitement. Ouais, grave. Tout le monde connaît Steph, c'est bon, ça va jouer dans totalement. Coucou, donner l'iPad pour que ça fasse moche sur les photos. Ok, merci Sacha. C'est grave ce patron, c'est grave. Non, toi c'est sans toi d'abord. Ah, ouais. Ouais. Allez Doig, maintenant. Moi je n'accepte pas distrait, je n'accepte pas d'être avec lui, je suis désolé. Non, ça part. Ça fait genre, j'en ai arrivé, fiche d'envoi. Moi, c'était mes pronos, les gars. Qui se rappelle de mes pronostics? J'avais dit Ronan qui va gagner et j'avais dit que je ferais dernier. Oui. Voilà. Yo la team! C'est le grand jour, patinoire, repas de Noël, Secret Santa. C'est parti, ça va être incroyable, les brothers. Ouais, le vlog! Et mais ça se voit, c'est un 7 sur 10 à la patinoire. Ça va bien se passer jusqu'au moment où je prends de la confiance et je vais vouloir aller trop vite et je vais me casser la gueule. Ok, mais t'as pas besoin de rester accroché au bord tout le long? Non. Yann? Oh, ça va aussi. Ça se voit, c'est un bon 7-8, Yann. On va arriver à la patinoire et tu vas avoir des Steph qui vont dire, les gars, celui qui glisse le plus loin sur le ventre. Regardez-moi cette belle équipe! Ouais. Bon. Ambiance. On est comment pour cette journée la tube? Je sais pas si vous l'avez remarqué mais Alex c'est ciao. Un extrait de lui actuellement.
Force à toi, j'ai vécu ça il y a pas longtemps. Manger des trucs pas frais, c'est pas cool. Bah du coup, trop dommage. Il sera pas là. Il peut pas patiner, il aurait été super fort en plus, pareil avec ses grandes guiboles là. Et du coup, pour le Père Noël secret, je pense qu'on... Le Père Noël secret. C'est bien Frenchy. Le Secret Santa. Et bah du coup on lui donnera son cadeau plus tard. Par contre on ouvrira le cadeau qu'il a offert. Terrible parce que c'est le truc qu'on attend un peu en cette fin d'année. Et qu'il puisse pas venir alors qu'on charbonne toute l'année. En vrai ça casse les couilles. Passe voir à toi mon petit Alex. Et ce n'est que partie remise. Bah je vous laisse le chiffre comme ça. Allez c'est parti. On doit y aller en patino. En route mauvaise troupe. J'étais semi pro en fait. Voilà je voulais pas le dire mais... Patinage artistique c'est mon domaine. Faut pas t'empêcher toi. Toi faut que tu parles. Vous avez pris des gants? Oui. J'ai pas de gants. Non parce qu'en compétition moi je mettais pas de gants. C'est pour ça que j'ai pas pris de gants. Ça faisait pas esthétique avec ma tenue du coup. Pour les notes. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est quel type de chaussures le modèle des patins? Tu vois, j'ai mes modèles particuliers. Vous les avez ramenés du coup? Oh non, c'est oh là 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 là. Moi j'ai envie d'aller patiner là. Ok Fabrice Candelo. Toi j'espère vraiment que tu patines bien Pierre-Louis. Hein. On est où? Là on est à l'Arena Ice. On est là pour mon gala de patinage artistique. Attends, on trempe allez. Ça glisse? Ah ça glisse de baiser malade. Alors les patins c'est de l'autre côté, on peut aller chercher par rapport à la pointure de chacun. Okay. On fait des plateaux multisports, c'est l'ice stock, c'est entre pétanque et curling. Incroyable. Il y a mon collègue qui a ramené. Je suis triple champion de France en plus. Mais parfait. On les met ici ou là-bas? Ouais, là-bas. Je chaussée ici comme ça si jamais il y a des... Ouais. J'ai besoin de changer, je vous redonne. 38 quelqu'un? Oh mais ça va être catastrophique. On doit arriver par l'entrée où il y a rien pour se tenir, c'est chaud hein. Ah ouais. Bon les amis, je vais poser un timelapse au début pour voir un peu comment on est. Je vais pas prendre la grosse cam sur la glace et si on est chaud, on viendra la prendre. Ouais. Attends. Non. Allez, j'ai avant moi. Non, ah non, t'as commencé, tu vas. Non. On filme. Va tout droit, genre. Attends. Non. Je suis à 1 sur 10, bon. Je suis à 0 sur 10 en fait. Regardez cam. Je suis à 2 là. Attends, mais je suis pas bien. Wesh. Toi ça va, t'es à l'aise en fait? Eh oui. Salut mamie. Oh mais Shaina. Shaina t'as 48 ans, sérieux. Vas-y Pierre-Louis, fais en moins de 15 secondes. 3, 2, 1, go. 4, 5. Ouais tu le fais en moins de 15. Je veux des petites impressions en chaud. En fait, j'ai fait 4 sessions de patinage, oui. J'arrivais à avancer, mais mon corps là ne s'en souvient pas. Ça fait genre 2 ans que j'en ai pas fait, et du coup, faut que mes jambes se réhabituent. D'accord. Enfin, je pense. Ton corps a tout oublié. Voilà, c'est ça. Ok, Angèle, petit ressentiment. Elle est vraiment lisse la glace, sa mère. Elle bat vite la glace. Et du coup, pour info, on est à l'Arena Ice à Cergy. Donc, c'est eux qui nous accueillent. Cergy Pontoise. Ils ont 2 patinoires, taille olympique. Ils accueillent olympique, des entraînements de hockey, des entraînements de patinage artistique, et aussi tout ce qui est session scolaire et ouverture au public. Et du coup, je sais que là, à partir du 22 décembre, il y a le marché de Noël. Donc marché de Noël glace. Sur glace, ouais. Oh, stylé ça. Et okay. Oui, merci à... Allez, je récupère des petites impressions à chaud. C'est un peu galère. Je pensais avoir Attends. Un petit niveau. Et ouais. En fait, c'est bien plus dur. C'est plus dur que ce que je pensais. D'accord. Non, vraiment. En fait, dès que tu mets les pieds sur la glace, en mode. Ouais. Ah oui. En fait, on fait grave les malins, mais ça glisse tout. Ouais, il est trop à l'aise, ça me fume. Il est vraiment trop à l'aise. Tiens, Louis aussi, là, il trace. Andreas, mon loup, sur 10. Allez, ça combien? Zéro. Miaou. Oh non. Y'a qui là? Ryan, pourquoi tu vas pas aussi vite que les autres? C'est bon. Bah Evan, pourquoi tu vas pas aussi vite que les autres? De quoi? Non mais ça y est, je suis pas lent, ça va. Autour de Léa. Attention autour de Cam. Oui. Attends. Wow 3-6. Allez Shaina, à ton tour. Oh c'est incroyable. Oh le plan comme ça c'est incroyable, vas-y viens au milieu de tout le monde. Ouais cam. Un peu tu kiffes le traveling. Ah c'est incroyable, attention. Ah c'est incroyable, attention wesh. Les deux mamies là. Attention, oh. Plance. Masterclassion. Wesh. Ouais Lélé. Eh mais tout le monde maîtrise là. Ça c'est incroyable. Oh c'est incroyable. Là je crois qu'on va faire des courses. On va faire la course les gars. Vous êtes tous prêts? Oui. 3, 2, 1, let's go. Vas-y, choque de caméra. Attention, cassez pas tout. Oh, stylé. J'adore. Nous,
on fait un curling humain. En curling humain. Curling humain. Alors, faudrait qu'on lâche à la première ligne, on bouge et on essaye dans le gros central alors. Allez, on fait. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Vamos! Dans le gros central. Oh, c'est pas mal. Wesh, il vient sur moi là. Il vient sur moi là. T'inquiète. C'est Yann qui est devant pour l'instant. Autour de l'élé, Cam. Non mais, là tu sais, c'est pas moi. C'est pas moi le rond central hein. J'arrive à courir. Yes. Ah, il est bien. Ouais, drift un peu sur moi là. Ça va. Je pense que c'était Evan, mais il a freiné arrivé au point, je l'ai vu. Mais en vrai, il peut, non? Ah, mais s'il peut, Andreas et moi, on met dans le cercle. Non, je rigole parce qu'Andreas, il sait pas faire. Viens. Il faut qu'on les fasse tomber, Yann. Ça veut dire attaquer. Tu as deux doigts de tomber à chaque fois. Il y a un mur, Elise, il y a un mur. Du coup, on va lui faire un slalom au monsieur, là, Stéphane. Une vraie danse de théâtre. Super. Ok. Ok, Yann. Ouais. Pas grave. Je l'ai doux. C'est bien, tu fais pas mal quand tu t'en veux. Non, ça va. André, et on arrête là. Mais alors, un petit bouchon du portière. C'est bien, au moins tu lâches pas. C'est bien. Oh la chute. L'élan il m'a envoyé. J'ai fait comme ça, j'ai fait. Je comprends pourquoi ils ont des casques et des genouillères et tout. Tu t'éclates la gueule en vrai. Venez, c'est au milieu. Allez, ouais. Faites-vous en mode de mamie comme quand vous baladez au marché. Vraiment, au lieu de la photo, et après tu vas après debout et après tu vas en mettre. Merci d'avoir mal de Sergi Bourgeois. 3, 2, 1, ici, j'ai corps, ouais. On lève tous ses bras, on fait genre, ouais, poulet. Ouais. Allez, au thème, mon ref. Ouais. Bon, bah voilà, le chat, il va falloir qu'on rentre à la maison, comment. Step. T'as pas oublié un truc. En gros, tu te rappelles, tu connais, tu vas pêcher. Ouais. Du coup, là, on vit sur le vent. Là, celui qui a le plus loin, il a gagné. Bon, alors, go. Avec les zéros. Ah, je me suis enculé les genoux. Putain, t'as sauté. Ça, bien sûr, c'était mes genoux. Voilà, Tim, on a pensé quoi? Incroyable! J'aime trop! On veut revenir! J'ai trop envie de revenir! Premier degré, c'est trop bien! J'aime trop! Merci à Renice! C'était trop bien! Let's go pour se péter le bide! Et le petit Secret Santa! Voilà, Tim, on est de retour au loco! Ouais! Et on se prend un petit verre et ensuite. Secret Santa! On s'installe tous sur le canapé, les gens ou pas? La première personne à qui je vais donner mon cadeau, c'est toi, Cam! Ah ouais! Je l'ai vu penser, hein. Je devais acheter deux trucs, j'ai eu un problème de livraison et du coup j'ai dû refaire un truc. Oh, c'est des shooters Valorant. Jure, ouais. Je te jure, il y a Phoenix et Viper, il y en a 6 là. Incroyable. Mais du coup c'est quoi qui est pas arrivé? Bah c'est les stickers et du coup j'en ai fait faire hier. Oh, ouais, c'était déjà c'est trop cute, il y a un vrai effort quoi. Ah ouais. Oh, j'aime trop, merci Evan. À moi de faire mon magnifique cadeau bonbon. Allez les. C'est pour l'air. Waouh, elles sont chouettes. Je me fais mal par ma maman. Oh, le cadeau il a plus. Ah mais je savais en plus. Ah mais attends, on dirait des HT, c'est ouf. C'est trop belle. Tu lui fais un bisou? Oui. C'est quasi identique en vrai. C'est trop beau. Attention, on enchaîne. Let's go. Oh oui. Ah mais d'accord. C'est ça. Wesh. Oh putain. En plein de bonbons. Oh là là. Oh, attends, je peux en avoir aussi. Oh là là. Oh. Trop bien. Mais attends, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. C'est quoi? Ah oui. Mais wesh. Ah oui. Une place de concert pour Bécart. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ces places de concert? Vachement stylé. Amy qui a fait le design magnifique du billet. C'est toi qui a fait? Waouh. Ouais. C'est beau. C'est trop stylé. Fais voir un peu. Incroyable. Fais voir le dos. Le dos est incroyable. Amy est trop fort. Hein. Du coup voilà, ça c'est ça d'être un graphiste. C'est trop stylé. Moi, mon cadeau, il est pour quelqu'un qui est dans mon cœur, Stéphane. Ouais. Ouais.
Attends, mais c'est incroyable. Je viens d'avoir une idée de zinzin. On peut manger ou... Ah, c'est maigrir, merde. Andrea, c'est nul au couchball, ça c'est vrai. Elise, si je finis la gourde, on part en voyage. Il y a vraiment écrit ça. Il y a un petit message que t'as pas vu, mais tu le découvriras au bout d'un moment. Ah ouais ? Ouais, il y a un message caché. Ok, okay, moi j'ai Shaina. Je sais pas commencer par lequel. Moi j'adore découvrir, vraiment j'adore. Là, je suis en découverte de qui à qui. J'avais aucune idée, je suis trop contente de ne pas savoir. Moi, sachez que j'ai voulu faire un cadeau utile et je pense que c'est un cadeau utile. Enfin la retraite, la route a été longue maintenant. Bah dans 2-3 ans hein. C'est de la crème anti-ride. Moi j'ai dit c'était des trucs utiles mes cadeaux. Premier degré, c'est une vraie crème, elle m'a coûté cher donc. Non mais en fait c'est ce que j'étais en train de lire. Ouais ça, l'huile d'olive bio et tout. Franchement bah tu sais avec mon petit bois chat et tout, je vais pouvoir le mettre, merci beaucoup. De rien. En plus c'est utile, tu vas pouvoir l'utiliser. Ah ouais c'est effrayant. Let's go. Shaina pour Evan. Me dis pas que c'est son skin. Non c'est pas mon skin. Oh putain c'est stylé de ouf. Mais arrêtez de faire des trucs trop stylés. Putain, ouais. 10 ans que j'y joue, j'ai jamais eu un truc genre comme ça de Minecraft. Un goodies de Minecraft. Un goodies. Mais à mettre dans un décor ou quoi, c'est incroyable, c'est trop stylé. T'appuies et ça fait des couleurs différentes. Alors, le cadeau d'Alex, il est pour toi, Andreas. Un jour. Oh, vas-y, ça va être chier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, d'accord. Est-ce qu'il faut savoir? C'est trop con. C'est, en fait, c'est pour tirer des sucettes et les sucettes elles sortent par le kiki du Père Noël. Vas-y, appuie-tu. C'est parce que t'es un. Ah, oui, d'accord, donc là c'est. Merci Alex, du coup je vais distribuer le mien. C'est pour la personne que j'aime le plus ici. Voilà, c'est pour toi Elise. Voilà, c'est pour toi, patronne. Patronne, c'est ton cadeau. Attention, allez, non, je me casse parce que c'est mieux. Je me souviens, c'était sur son bureau, mais j'avais pas vu. Coussin chauffant pour cou et épaules. C'est pour mon âge. Pour la petite anecdote, tu te plains toujours d'avoir froid, tu es très frileuse. Et Camille a suggéré dans l'open space, et s'il y a quelqu'un qui a tout pour Elise, mettez un truc qui lui tient chaud. Ah ouais, je fais vraiment chier tout le monde avec mon chauffage en fait. C'est du chaud comme ça quand le client il arrive. Oui. Oui. Nickel. Voilà, voilà. Moi j'ai Alex, donc il est pas là. Tu crois que Pilou et Aimé, ce sont des. Ah oui, non, t'es mort. Bah honneur au plus jeune. Du coup j'avais raison. La même personne que j'ai, m'a. Ça a l'air. Oh, il est trop stylé. Ah ouais, c'est genre. Ouais, il est trop. Beau. Ça changera les verres à la maison que j'utilise. Il en avait vraiment besoin. Non, au moins j'aurai un truc classe. Là. J'aime trop, merci. J'aime trop. Wow, oh. Vas-y. Eh, bien joué tout le monde. En vrai, tout le monde a eu des bêtes de cadeaux. C'est salut. Allez, santé. Santé. De longues années à la G-Corp et la santé pour tout le monde. Ouais ouais ouais. Montre-nous ton chibre. Oh, bon appétit la famille. Coco il bosse, enfin nous on fait toi. Non, on fesse toi. Petit topi. Chocolat. Fais rouge. Hop là, on se sert le dessus. Comme ça. Élise, je fais un petit tour des locaux pour qu'on se remémore un peu les moments de cette année, savoir si t'avais un petit moment que t'as préféré soit vivre, soit voir, regarder. Je pense que les Bahamas c'était vraiment bien. Le Japon c'était cool, mais moi j'étais malade donc je peux pas citer le Japon. Mais après, il y a eu le lancement d'Antoine Métis quand même. Ça pour moi, je trouve c'est un aboutissement de ouf. Je pense que c'est ce que j'ai préféré, je pense. Okay. Mon moment préféré, j'ai pas fait les Bahamas ni le Japon. Pareil, on est ensemble. C'est le live pêche. Ah oui. Lequel? Le plus gros, le dernier qu'on a fait avec les étangs de la Bassée. Et ben c'est vraiment un bon souvenir. C'était un moment hyper agréable, un tournage hyper cool. Et puis la préparation, ça avait été quand même pas mal de boulot en amont avec Steph et ça aboutit à un très beau live. Donc c'était très content. Le cadre était trop beau, les plans étaient beaux et tout. C'était... Ouais. Lélé, est-ce que t'as un petit moment marquant dans ton année, dans l'année de la G-Corp? C'est quand on est parti au Skypark. Ah oui, soyez assis. Parce qu'on s'est tous dépassés. Aimé. Ouais, il y a un peu de ça aussi, même si j'ai pas fait le saut à l'élastique, rien que d'avoir fait les autres trucs, déjà je me suis un peu dépassé et tout, donc j'étais content. Je suis là moins souvent, mais il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'était la soirée avec Diablo X9, je pense. Ah, tu m'as piqué mon moment, bâtard. Même au niveau du taf et tout, c'était intéressant, c'était un peu rush, mais au final, trop content du résultat. Ah, ouais. Ah oui, tu nous as pondu une DA, frère. Alors, j'ai 4 moments marquants. Il abuse très très rapidement. Il y a le GP et soit l'élastique, ça c'est sûr, mais il y a 2 moments qui sont incroyables. C'est final, non mais c'est... Arrêtez, il se livre. Les caméras, vous, les caméras. Arrêtez. Soirée Coupe de France, Gentlemates Mandatory quand on est allé au bar. Ouais, on est ensemble. Et pour moi, la soirée Minecraft, voilà, vu que c'est mon jeu de cœur avec Inox et Maxime, où j'ai pu jouer et y participer indirectement. Du coup, c'était vachement cool. Ok, les deux bouffes là. Yann, la main.
Moi j'ai 20 moments marquants. Non, en vrai le moment le plus marquant moi c'était la journée Mont Fuji au Japon. Maybe it's my sunglasses but I don't see the... Regarde le vent. So, oh, le Mont Fuji. I don't think Jay is like a, please be careful. Parce que c'était... en vrai c'est quoi durer parce que... Mais oui c'est ça, c'est là... une catastrophe, ouais. J'ai passé un bon moment parce que... Ouais c'est ça. On était quatre sous la pluie à braver les défis et juste à chaque fois on se regardait, on avait envie de rigoler tellement c'était éclaté, ouais. Mais c'était trop bien. C'est là que tu te fais les meilleurs souvenirs. Alors moi j'ai 65 moments préférés. Bisous bébé. Salut. C'était trop cool, merci pour tout, merci pour l'activité. Compito. Salut. J'ai adoré vivre le GP. C'était une première expérience pour moi, c'était très émouvant. J'étais jamais allé. Beaucoup là déjà. Et de toute façon, je vais faire de la place en enlevant tous vos moments, comme ça il y aura que le mien. Pour les caméras. Ouais. Personne ne coupe Andreas. En vrai, de vrai, je suis comme aimé. Le live avec Jabrix 9. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Je crois qu'après avoir vu ça. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Du coup, il y avait WarTech, Jabrix 9 et... WarTech, il a dit ça comme si c'était Mbappé. Et non, mais... Et Gota dans la même pièce, et Code Jordan. Mais tu vois, les trois, j'ai grandi avec eux, et pour moi, c'était... Je sais pas, j'étais très ému quand j'étais sur place. Et pour moi, c'était le moment le plus marquant de mon année. Même si le Soleil Élastique, c'était trop cool de vivre tout ça avec les gens. Et maintenant, on va demander à Steph. Moi, il y en a deux. Un perso rapide, c'est le Soleil Élastique. 5, 4, 3, 2, 1... Wesh. C'était vraiment très 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 chaud pour moi de sauter, je pensais vraiment pas le faire. Et le deuxième c'est les Bahamas, c'était un rêve. La définition du rêve c'est que je m'étais dit il y a quelques années ce sera un rêve pour moi de pouvoir aller jouer au poker et participer au PCA aux Bahamas. Et ça a pu être réalisé cette année grâce à PokerStars d'ailleurs, merci à eux. Et c'était incroyable, en plus bien accompagné, donc voilà. C'est clairement les Bahamas et de très 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 loin. Voilà la team. On se demandait aussi vous qu'est-ce qui vous a marqué cette année. Est-ce qu'il y a un vlog en particulier qui vous a marqué, une émission? Dites-nous dans les commentaires un peu un projet. Ouais, un moment spécial. Ce que vous voulez revoir pour l'année prochaine. Ah voilà. Non, on arrête. Allez, merci. Du coup, dites-nous, on est curieux de savoir. Il faut qu'on appelle Alex maintenant. En fait, je suis en train de chier. Wesh. Ça te quoi là? Frérot, t'as pas un truc à nous dire là? C'était vraiment votre moment. Hein. Ah, frérot. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci pour cette année de fou. Vous êtes des cracks. Comme on vous l'a dit, malheureusement, voilà, bah, c'est le dernier vlog. Ça nous fait beaucoup de mal à tous, mais en tout cas, on s'est régalé cette année. J'espère que vous aussi. Voilà, comme vous a dit, c'est le dernier vlog, la team, de 2023. On se retrouve en 2024. Joyeux Noël!